Les frères Toracini étaient en direct, qui interprètent une chanson de Jean-Paul Poletti. C'est toujours un bon moment. Ça va Yann? On sort un peu parce qu'il fait très très chaud à l'intérieur. On est en direct sur la page Via Stella à l'occasion de la sortie du programme Spettacolo Vivo, le lancement de la saison culturelle à Bastia, en compagnie de plein de monde, puisque l'Alboro est plein. Et il y a eu la présentation qui est en cours de cette saison culturelle qui débute très bientôt. Et on va aller à la rencontre des gens qui font cette saison. On va y trouver Frédéric Balbino, la directrice du théâtre, et puis peut-être aussi Mathéa Lacave qui est... On est en direct. Ah oui, d'accord, oui, ça va très bien. J'ai un peu soif, il fait chaud, mais c'est bien. Tu as soif, à Yazet? Oui, à Yazet, oui. Tu regardes. Moi, je l'ai bien, moi, je l'ai bien. Mais dopo ci vediamo. Alors, tu as une pièce qui a passé, une opéra à Nantes, San Piero Gorso? San Piero Gorso, oui. Nantes, San Piero Gorso, mais casque à canto, quantum. Perché casque à canto? Casque à canto, parce que quello qui a scritto la storia di San Piero Gorso, non ci capiva tanto, allora. C'è balla di c'è appena di tutti, c'è anche Don Piero Corso, eh? Ma dopo partiamo un po' in vrille. il y a un fond de réalité historique et bien il y a après, un fond de réalité historique et quelques petits passages de réalité historique vrais, le truc. Il y a un petit rapprochement avec Othello d'ailleurs, d'un moment donné, puisqu'il a été question d'Othello avec ce personnage-là. Puis après ils partent même sur Panteno, sur ça part en vrille, quoi. Il y a même Bayard. Il y a Bayard, même s'il a connu Bayard, mais la bataille du pont de Marianne qui est citée dans la pièce, et il avait 5 ans, San Piero Gorso. Oui, donc. Et nous, on dit quand même qu'il y était. Il y était, parce mais. Que 5 ans, parce que c'est San Piero Gorso. San Piero Gorso a 5 ans. À 5 ans, il savait se battre. Hein. Eh oui, c'est un homme, hein, c'est pas. Voilà. Tous les ans, vous proposez un spectacle avec ta compagnie. Tous les ans. Alors, on rappelle quand même que c'est des spectacles qui sont. Inigo Agur, mais sous-titré.
Oui, donc voilà, c'est en français. Tout le monde, on entend la langue, mais on peut, si on ne comprend pas tout, on a accès au sujet. Il faut venir quand même. Il faut venir quand même. Et en même temps, c'est une bonne façon d'apprendre le corse. C'est une bonne façon d'apprendre le corse, même si on n'apprend pas, de l'entendre. Et de l'entendre dans des conditions du vrai parler. Voilà. C'est pas du chant où on entend la langue corse aussi, mais c'est quand même moins bien que le théâtre où la langue elle est parlée comme dans la vie, comme dans la rue, comme voilà. Ça donne cet aspect-là de la langue corse. Et même si on ne comprend pas tout, en plus nos spectacles qui sont souvent visuels, il y a tout, pas très compliqués dans leur histoire, et on arrive à suivre. Mais en plus c'est traduit, bien entendu. Bah, tu vois, il y a des saluants, on te salue, Nicole Bertrand qui te salue, Guy Chimine ou Pio Vourte. Ah, là-bas, je la salue aussi. Hein. Voilà. Un bonjour de Jeanne, Nicole. Ben, on va y aller. Ben, bien sûr, Nicole, qu'il faut venir. Johan, parle à Tinkours. Tu gagnes novembre, Johan, et tant ou tant. Passez-moi de Gourse au Vranchez. Passez-moi de Gourse au Vranchez. Et d'ailleurs, pas grand cas l'anglaise. Non, mi casubito. Non. John Mathieu Zizine, pas de chez Aloute. Pourquoi pas de chez Aloute? Non, pas encore. Marie-Ange qui regarde avec nous. Salut, oui. Marie-Ange. Salut, Marie-Ange. Bagi de Bretagne, de Marilini, Bagi de Marseille, Marilyn, d'André. Oui. Ben, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Alors, le spectacle, son Pierre-Gourse, toi, c'est au mois d'avril, vers la fin du mois d'avril. Donc, on a le temps de réserver les places. Non, de février, qu'est-ce que je raconte? Ah, de février. Février, oui, qui est février. Non, il faut faire vite, réserver très vite, oui. C'est fin février, oui. Fin février, c'est un très beau spectacle. On ne l'a pas encore fait, mais ça sera un très beau spectacle. Il n'est pas fini d'écrire. Oui, je te laisse travailler. Voilà, je vais y aller. Adop. Allez, je vais aller voir notre ami. Non, je vais aller voir notre ami Mathéa. Mathéa, salut. Salut. On est en direct sur la page Facebook de l'Estée. Oh, dis-moi un appuntement importantissime pour vous. Oui, sicuro, parce que la présentation est à notre programmation. Donc, c'è un lavoro che è fatto 90 anni, e ancora qua cominciamo quasi 2 anni non su a piai contatti, a lavorare. Donc, un grande ringrazio a Frédéric Balbino, che concepisce tutto e che risponde a nostra andatura, a ciò che noi a livello politico vogliamo. Una programmazione diversa, una programmazione di qualità, di teatro, di canto, di ballo, di riso, di creazione di creazione corsa, di creazione in lingua corsa, infine che tutto il mondo si ritrovesse con grande piacere per venire o al teatro o all'album. E noi stiamo con Guy che prepara una pizza a San Piero Gorse, un'opera a San Piero Gorse. Ma c'è di noi Jean-Paul Poletti che da festeggia i 50 anni di... 50 anni di Jean-Paul Poletti. Allora, vedi una fare, e mi ha avuto la stessa idea con Omer. Quando abbiamo visto cantare che abbiamo fatto l'inaugurazione di Piazza Ribedo, ha cantato a canzone tu domenico. Ribedo di un nome e mi ha detto Jean-Paul ci vuole a fare una bella festa perché Jean-Paul è nato in Bastia, campato in Bastia, campato d'arredo al teatro e lui merita veramente di questa bella festa su bel omaggio che rende conto di tutto il suo lavoro e poi c'è adesso di nuovo a Villetta, 40 anni da Villetta, gli stessi affari, non si può mica andare senza vara di un bel omaggio a questo gruppo maior che ha vinto. Hanno passato i ranitiamo a Dialese, che hanno festeggiato i suoi 40 anni. Simbezia, eh? Simbezia sai. Tutto simbezia, Tu si vede lì. A Piazza dei Gioni. Je te remercie, Mathieu. On va aller voir Frédéric qui va nous parler plus précisément de la programmation. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui est venu assister au lancement de la saison. Alors, je vais juste reprendre un peu... Marie-Ange, André, Daniel, Ami, Frédéric. Pardon, j'ai le droit ou pas? Non. Oh, tu peux, Mathéo. Allez. On est en direct, donc on se dit bonjour, on se croise. Frédéric. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Alors, lancement de saison réussi? Écoute, on peut se tutoyer quand même. Oui, quand même. Oui, d'accord. Oui, moi je suis plutôt satisfaite. Il y a un monde de fou, on crève de chaleur. On crève de chaleur. On a été victime de notre succès avec ce format-là. L'année dernière, c'était dans la salle. Et là,
c'était vraiment un format beaucoup plus concis et voilà. Donc là, en fait, vous avez passé un petit clip de présentation, il y a eu les discours officiels de la part du maire, de Mathéa Lacarte qu'on a interviewé à l'instant et toi qui as présenté la saison. En quelques mots, combien de spectacles, en quelques chiffres, combien de spectacles? Alors, il y a 43 spectacles, il y a 17 pièces de théâtre, 13 concerts, il y a 7 spectacles jeunes publics, 3 spectacles de danse et 2 spectacles d'humour. Voilà. Spectacle d'humour, on va en parler. En attendant, on fait un petit coucou. On a Michel Marty qui dit félicitations pour cette programmation. Ah, Michel. On travaille et souvent avec Michel. Isis de Cargès qui lance aussi sa programmation pour la saison. Qu'on salue Isis, qu'on est allé voir l'année dernière pour l'inauguration de l'espace de Noël, Natalie Rocchicchio. Voilà. Et donc, alors, on disait 43 spectacles, du spectacle humour. Il y a un spectacle humour que tout le monde attend, qui à mon avis va faire le plein. Oui. C'est Blanche Gardin. Blanche Gardin, qui oui. a explosé cette année. On se souvient de son intervention au Molière. Molière au César auparavant. Ça a été difficile de la voir. Je préfère pas raconter comment on l'a eu, mais on l'a eu. Voilà. Il y a du chantage. Non, on l'a eu. Et en plus, elle a annoncé cette date à Bastia très rapidement sur son Facebook. Et moi, on m'appelle depuis déjà 4 ou 5 mois pour me dire est-ce qu'on peut réserver des places. Donc je pense que ça va être un des sommets de la saison. L'autre spectacle humour, c'est Farid, oui. hein, qui aussi commence à avoir beaucoup de succès sur le continent. Ah oui, bah, il va faire Bercy juste après le Centre culturel Albor, en termes d'échelle, c'est bon, voilà. Oui, mais quand même, il y a les deux dates qui comptent pour lui, c'est l'Albor et Bercy. C'est ça, et on a de la chance de l'avoir. Et sinon, on a d'autres spectacles. Alors, théâtre, il y a des moments forts aussi avec la venue de certaines pièces. Je pense à la pièce de Poiré. D'où sa mère avec Michel Faux et Mélanie Doutet. Que j'ai eu l'occasion de voir, qui est une très belle pièce. Oui, hein, c'est une très belle pièce. Je ne sais pas avec qui tu l'as vue, mais oui. C'est une très très belle pièce et on découvre Jean Poiret, un auteur égal à Sacha Guitry. Presque. Pour ceux qui aiment les mots d'auteur, pour ceux qui aiment la langue française ciselée, c'est vraiment un très joli spectacle. Ensuite, d'autres moments forts. En théâtre ? En théâtre, oui. Alors, on a la pièce Art de Yasmina Reza, avec ce qui est déjà une pièce géniale, mais qui cette année, c'est la version Jean-Pierre Darroussin, Charles Berling. Et, marche un peu en même temps. Oui, bien sûr, parce que là, on est très statique. Mais à l'intérieur, il y a peut-être trop de bruit, je ne sais pas. Non, ça va aller. Comme ça, on voit un peu le jeu. Oui, donc, tu me disais. La pièce Art, Jean-Pierre Darroussin a eu le Molière du meilleur acteur dans une pièce de théâtre privé pour cette pièce. On a le retour de la comédie française avec une pièce de Racine. Je disais avec une pièce de Racine qui s'appelle Bajazet, qui est mise en scène par l'administrateur de la Comédie Française, Éric Ruff. La Comédie Française propose aussi des monologues, dont un avec Denis Podalydès qui va venir à Bastia. Et j'en suis ravie. Nous avons... Je pense aussi à la pièce qui va être un grand moment d'émotion, qui s'intitule... N'aurait pas ma haine. Oui. Avec Raphaël Personnage, c'est le texte qu'Antoine Léris a écrit. Quand il a appris la mort de sa femme en novembre 2015 dans la salle du Bataclan. Ça sera en janvier prochain à l'Albor. Il y a aussi Le triomphe de l'amour de Marivaux, mise en scène par Denis Podalydès. Donc voilà, on a des classiques. On a Sacha Guitry aussi, Faisons un rêve avec Nicolas Briançon au mois d'octobre. Donc une offre qui balance entre classiques, contemporains, voilà. Je t'interromps une seconde parce que il y a Christophe Bocquerette qui nous demande est-ce qu'il y a un site internet. Alors c'est le site www.bastia.cours, c'est le site de la ville en fait. Christophe Ferrari qui nous dit seulement 3 spectacles de danse. Oui, ça dépend des années, tout simplement. C'est un peu compliqué. Oui. Alors toutes les informations bien sûr on les retrouve dans cette plaquette. On les retrouve dans cette plaquette. On les trouve dans cette plaquette et aussi dans ce nouveau document de communication qui est un trimestriel, qui regroupe à la fois ce que vous trouvez là-dedans par trimestre et aussi toutes les actions culturelles qu'il y a autour de la programmation. Les masterclass, les rencontres avec les artistes, les stages de théâtre, tout ce que l'action culturelle fait autour de Spectacle Louis. On disait avec Mathé qu'il y a quand même
une programmation qui est très diversifiée. Il y a à la fois une belle part, à la danse, au théâtre, à la chanson. Et il y a un équilibre que tu dois trouver entre, j'allais dire, les créations insulaires et ce que tu fais venir du continent. C'est toujours un souci d'équilibre et de laisser une belle place à la création insulaire. Oui, bah de toute manière, c'est un des axes forts de la politique culturelle de la ville de Bastia depuis l'arrivée de la nouvelle mandature. Et c'est un axe qu'on s'efforce de suivre, mais jamais au détriment de la qualité, en fait. Et donc il y a des très très beaux rendez-vous. Il y a un rendez-vous qu'on connaît, qui est ce jeune garçon qui ce jeune garçon que nous sommes très talentueux, que je suis allée voir au mois d'avril cette année en lui proposant une résidence de création, sa première, parce qu'on le connaît comme musicien, avec de nombreux groupes, Nicolas Toracci, pour ne pas le nommer. Qui est avec son frère ce soir. Avec Fanou qui a joué l'année dernière à l'Albor. Et donc c'est la première fois qu'il va vraiment se produire avec ses chansons à lui, ses textes à lui et une équipe de musiciens, donc un vrai concert de Nicolas Toracint. D'accord. Et ensuite il y a deux gros morceaux, on en évoquait avec Mathé tout à l'heure. Il y a les 50 ans de chansons de Jean-Paul Colette. Voilà, il y a trois anniversaires importants cette année dans la programmation. Il y a les 50 ans de Jean-Paul Colette, il y a les 40 ans d'Avilette et il y a les 30 ans du Théâdri. Voilà. On a vu Guy tout à l'heure qui nous a expliqué le spectacle qu'il va faire sur son pyrogo. Il est en train d'écrire avec Diago Moudière. C'est trois gros morceaux de la culture insulaire de toute manière. Et c'est trois résidences de création, trois créations à Bastia, au théâtre. Les trois au théâtre. Alors, on a Dominique Capiette qui dit superbe la plaquette, le format. Dominique Capiette donc qui lui s'occupe de la programmation. À Ajaccio, il fait partie du pool de programmateurs, il n'est pas tout seul. Mais et qu'on va aller voir avec Yann la semaine prochaine, ouais. Puisque la semaine prochaine, c'est le lancement de la présentation de la saison à Ajaccio. Donc on retrouvera Dominique, on retrouvera Lorian Jacob pour le 28 septembre, à l'Espace Diamant. En attendant, on est à Bastia, donc on leur fait un coucou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Audrey Tordelli qui nous dit qu'on est très beau, ça on le savait. On a Marie-Madeleine Galéaz qui nous dit bravo, on a Jean-Baptiste Andrian qui regarde, Christophe de Perrette qui nous disait effectivement qu'il n'y avait que qu'il y a un site à internet. Donc tous les renseignements, la billetterie est ouverte. Oui, non, alors la billetterie. La billetterie quand même. La billetterie ouvre demain. La billetterie ouvre demain. Pour le spectacle des Corsican Floyd, qui est l'ouverture de saison le 28 septembre. Mais sinon les abonnements ouvrent le 3 octobre. Et la vente à l'unité pour tous les spectacles ouvre le 10 octobre, à la fois aux billetteries physiques et en ligne. Donc, à partir du 3 octobre, on peut commencer à s'abonner. Ouais. Et à acheter les billets. Ouais. En ligne, sur internet, sur le site Bastia Culture. Oui, non, sur le site bastia.cours. D'accord, sur le site de la ville et physiquement, voilà. Au théâtre ou à l'autre. Oui. Premier spectacle Corsican Floyd, le vendredi 28 septembre. Alors, on peut s'abonner à partir du 3 octobre, mais il y a déjà un spectacle le 10 septembre pour l'instant. Ah, c'est une colle que tu me poses, on va régler ça plus tard. Quoi d'autre? Sur les moments importants, toi, les coups de cœur que tu as eu pour cette programmation? Je sais que Jean-Paul Paulette, il a été très compliqué de choisir un certain nombre de chansons parce qu'il a écrit tellement de choses. Tellement oui, bien de sûr. Mais ça a été très compliqué. On pourrait pas retourner dehors? Allez, on va dehors un peu. Il y a moins de bruit. On va dehors parce qu'il fait très très chaud. Donc on se disait que Jean-Paul, ça a été compliqué de sélectionner des chansons. Combien de chansons? Ah, je pense qu'il y en aura une trentaine. Quand on s'est penché sur la setlist avec Jean-Paul et que moi je lui ai dit il faut absolument chanter ça, enfin voilà, il y avait 30 incontournables. Alors après le choix final c'est lui qui le fera, mais voilà, il y a 50 tubes. Mais il y a 50 tubes donc il faut en enlever 20, c'est toujours très difficile. Voilà. Avilette à 40 ans. Les 40 ans d'Avilette avec une création tout particulièrement pour le théâtre de Bastia. Jean-Claude Acquaviva a été très... très compliqué à convaincre. Pourquoi il ne veut pas rechanter ses chansons? Parce qu'il n'aime pas tellement les anniversaires et tout ça. Il faut qu'il en chante quand même. Mais bien sûr, mais ça va être un anniversaire d'Avilette, mais à Louz ou à Avilette, quoi. Voilà. Je pense qu'ils vont garder leur personnalité et ça va être un très beau moment, c'est sûr. Il y a deux. Ça n'arrive pratiquement jamais, ça n'arrive jamais. Il y a deux concerts d'Avilette cette année. C'était pour marquer cet anniversaire. Un au théâtre et un à l'Albor.
toi, ça fait maintenant quelques années que tu es à la tête de la programmation, tu commences à connaître le public. C'est toujours un exercice un peu compliqué d'essayer de trouver l'équilibre entre ce que le public a envie de voir et puis ce que toi, tu as envie de leur proposer. Moi, je fonctionne, j'essaie de ne pas tellement fonctionner en me disant qu'est-ce que le public aurait envie de voir. Ce qu'il aurait peut-être, enfin voilà, j'essaie de leur faire découvrir un maximum de choses. Parce qu'on ne fait pas une programmation intéressante, je pense, en se basant uniquement sur la demande du public. Mais c'est sûr qu'une faire une programmation, c'est la quadrature du cercle. Hein. C'est quelque chose, c'est un équilibre à trouver. C'est des contraintes techniques, c'est des contraintes logistiques, c'est des contraintes financières, c'est des contraintes de date. On veut un spectacle à tel moment, on ne peut pas l'avoir, on est obligé de tout chambouler. Enfin, mais maintenant, je commence à être rodée. Et puis, comment ils perçoivent les artistes qui viennent ici, les compagnies de théâtre, les chanteurs? Ils ont envie de venir, ils ont envie de venir en Corse. Il y en a qui ont envie de revenir parfois. Ah oui, je pense à Clara Luciani, oui, que tu as fait venir l'année dernière, qui était une révélation. Nicolas Briançon qui vient au mois d'octobre, par exemple. C'est lui qui m'a contacté parce qu'il voulait revenir jouer au théâtre. Il avait tellement aimé la salle du théâtre, il était venu avec la Vénus à la fourrure avec Marie-Gilin. Et c'est lui qui m'a envoyé un message un jour, qui m'a dit « J'aimerais beaucoup revenir jouer dans votre théâtre, j'ai un Guitry, voilà. » Et ça s'est fait comme ça. C'est rare, mais c'est, de temps en temps, ça fonctionne dans ce sens-là. Ah, super, écoute, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. On a des gens qui nous font des coucous. Nicole qui nous demande quand est-ce que c'est à Villette. À Villette, c'est au mois de février, le 15 et le 22. Bah, Nicole, réserve ta place. 15 et 22. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des artistes, à part Guy Chimin, il y a les Corsican Floyd, par exemple, qui sont là. Je ne vois pas. Il y a Noël Brignol qui est là. Il y a la compagnie Art Move. Il y a Michel Ville. Bonjour à Michel Ville. T'es marronné en direct, Michel, sur la page de Facebook de Liasté. Ah, bonsoir. Donc toi, tu prépares le festival activement Artemar, c'est bientôt, c'est pour quand? C'est pour le 6 octobre, du 6 au 13, au théâtre municipal. Et le thème? La musique au cinéma. On va se régaler alors. Je pense. Là, tu es en plein travail. Donc. Oui, je suis à fond. Débordée. Débordée, bon. Mais heureuse de le préparer. On se retrouvera avec toi, avec Michel Corot, oui, au moment du festival. Plein de jolies choses à vous raconter. Méditerranéen et puis et quelques invités prestigieux quand même. On a hâte de découvrir. Voilà, notre conférence de presse est le lundi 24. Lundi 24 septembre. Oui. Conférence. Aurez Jean et vous aurez plein de choses. Et ben on sera. Je reste un peu secrète. D'accord, tu as raison. Faut garder des surprises. Voilà. On sera au rendez-vous. Merci. Bonne continuation. Alors on va essayer d'aller un peu à la rencontre des artistes. Je ne sais pas qui on va avoir. Ce serait bien qu'on puisse avoir. Ouais. On va quand même dire bonjour au maire. Monsieur le maire, je peux vous embêter une seconde? Allez, une seconde. Une seconde. On discutait avec Mathieu Lacarte, qui est adjointe à la culture, avec Frédéric, qui est responsable de la programmation. Il y a vraiment beaucoup de monde ce soir. La culture, j'imagine que pour vous, c'est une priorité. Je l'ai dit, une priorité. Il y a deux priorités. Bon, la santé, c'est pas de notre ressort, même si on peut faire dans le social et aider justement cet aspect-là, donc la santé des gens. Mais culture, éducation, c'est au cœur de notre action. Et culture, éducation, ça va souvent ensemble. La programmation culturelle à Bastia depuis 4 ans, c'est ouverture sur la Méditerranée, mais et bien au-delà aussi, ouverture. Je disais que bon, aujourd'hui, on est un petit peu à l'heure de la frilosité, où les gens ont peur de l'autre, de perdre leur culture. Je dis toujours que si on a peur de perdre sa culture, c'est que déjà on pense qu'on en a une, c'est important, et que la culture, c'est quelque chose qui s'enrichit à la seconde. Notre culture échange, nous changeons à chaque seconde. Donc voilà, cette programmation est un petit peu à l'image de ça, c'est-à-dire que ouverture.
Depuis 3 ans, depuis 2015, hein, on avait inauguré avec un superbe concert qu'on avait diffusé sur Diasté. C'est de ça, finalement, elle a trouvé son public, parce que c'est pas évident. Absolument, elle a trouvé son public, mais elle doit peut-être attirer encore plus les gens des environs qui peut être peut-être une appréhension à venir, parce que c'est pas facile. Des fois, vous allez voir un spectacle. Moi, je parle, le maire de Bastia, et de temps en temps, il y a des spectacles qu'il n'aurait pas été voir s'il n'avait pas été maire de Bastia, mais il y va parce que quelquefois c'est une obligation. Et on sort, on a changé. Mais le but de la culture, c'est ça. C'est pas de vous laisser indifférent, de ne pas vous laisser insensible, c'est de vous aider à changer et à devenir la personne que vous. Chimine, il est importantissime, mais par voi, il est nous, sa piazza, par vous tout. Il est importantissime, on va parler de la Villette, on va parler de Paolo Boletti, on va parler de tutti, ou d'Adrien, ou de tutti, c'est des gens qui sont en Bastia, soprattutto, ou encore al di là. Faisons un travail magnifique pour promouvoir la culture russe, mais mica la culture russe qui serait la culture russe de 40 ans, la culture russe d'oggi. Quelle qui s'est arricchita di, d'abord, ou riacquisto. Nous parlons de Don Paolo et de Avilette, en coup l'autre. Vous connaissez le Giorno d'Origine. Oui, le Giorno d'Origine, c'est maravillé. Je connais les parents, bon, c'est un peu de vrai, une dimension affective un peu du reste. Deux jeunes extraordinaires, mais la culture, d'abord, le réacquisto, cette question est abastanza vire d'Avilette et Don Paolo Boletti, pour dire que si vous êtes le principe de l'année 60 pour Don Paolo, 70 pour Avilette, a travailler, a dire quoi siamo, da dove venimo, cos'è la nostra cultura, e oggi si sente qui, la cultura che li portano oggi negli ospedali, mica non è più gli stessi che quella di l'epoca, ma è sempre cultura grossa. E per quello che ci è sempre avanzato, ci è sempre scambiato, ci è andato bene niente, apre il mondo e fa che questo popolo grosso che noi sappiamo noi che esiste. Si vuoi arricchire tutti i giorni qua cultura e qua resto. Ringraziare, a presto. Buonasera. Donc à voi. Alors, on va rentrer un petit peu, hein, parce que je pense qu'ici, Wi-Fi, on va essayer d'aller voir si on trouve des artistes. Et on n'a plus beaucoup de lumière dehors, me dit Yann Bénard qui est derrière la caméra. Une fois n'est pas coutume. Didier Bastia, Città di Cultura e di Amore. C'est vrai, Didier. Nicole. Je n'ai toujours pas compris ce qu'a dit le maire, la culture change chaque seconde, la culture évolue, évidemment, ce qui veut dire c'est que les artistes, quand on parlait des artistes corses, il y a aussi des artistes corses du réacquiste, comme Jean-Paul, Paulette, comme Avilette, mais il y a aussi de jeunes artistes comme ceux qu'on entend là, et que la culture évolue tous les jours. Je parle de la lumière, d'accord Nicole, je n'avais pas compris. On a fait un peu le tour de la programmation du théâtre. Vous voyez, il y a encore beaucoup de monde qui profite du buffet. On est dans un moment assez convivial. Et vous avez Nico, les frères Toracinte qui animent un peu la soirée. On a fait un peu le tour. Oui, derrière moi, Yann, merci de me rappeler. Il y a les œuvres de Yann Le Borgne qui expose ici en ce moment à l'Albor et pendant un petit moment, hein, qui a fait son vernissage. Voilà, ce sont des peintures sur toile que vous pouvez admirer, vous pouvez venir, c'est un lieu qui est ouvert tous les jours, vous pouvez venir, il y a une médiathèque et puis les spectacles vont commencer très bientôt à l'Albor, la programmation ne va pas tarder. Ici l'ambiance est plutôt sympa, hein. Yann, tu me suis, hein, je t'emmène un peu avec moi, tu veux qu'on essaie d'aller voir un peu Nico Toracinte? Now, fall, you die, poor boy. I'm
this world. Deux secondes. On est en direct sur la page Facebook de Viastel. Bonjour. Bonjour. Tu répètes là, hein? Tu répètes pour le spectacle là, non? C'est le cul, il est là. Ah, c'est toi. Oui, moi je confonds toujours les deux. Ah. Fanou et Nico. Nico. Donc, tu vas. Va très drôle ça. Ah ouais, moi alors, je me plante à chaque fois. Tu vas l'inviter au spectacle? Eh oui, bien sûr, forcément. Ouais. T'as le trac, comment tu prépares ça? Je sais pas. Non. Je prépare ça, mais après, je sais pas, contre le trac, on n'y peut pas grand chose. Non, mais de toute façon, ça sera une première pour toi. Oui, vraiment, en tout cas, je suis très content. C'est et une création. Ouais. Il y aura peut-être quelques reprises, mais ce sera principalement des créations. Et je suis super content d'avoir cette opportunité, cette possibilité, parce que c'est vrai que j'ai souvent. Comme Fanou d'ailleurs et toute l'équipe avec laquelle on travaille, on participe souvent à ce qui se fait mais plutôt en tant que musicien. C'est vrai que là c'est une porte ouverte à une proposition artistique, donc on est quand même assez fiers de ça. Tu sais que tu as travaillé beaucoup, on me dit que tu travailles beaucoup. Mais c'est un travail. Que tu as placé la barre. Non, mais c'est un travail, c'est un univers de composition en anglais, donc forcément comme. On n'est pas d'un endroit qui est très naturellement anglophone, il y a tout un travail à faire qui prend pas mal de temps pour être le plus respectueux possible d'une langue et de la sonorité qu'on cherche, tout en gardant sa couleur et son identité. Voilà. Eh ben, tu sais, là on est en direct sur la page Facebook, donc il y a des gens qui nous font des coucous, Nicole qui dit qu'elle aime beaucoup Jean-Paul Paulette et Avilette, tu vas aussi beaucoup aimer Nico Toracinte, je te promets, si tu viens voir ça. Moi j'ai eu l'occasion d'entendre des choses, et ça promet. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui me disent, bon tu vas voir, ça va être dément, donc je te mets un peu la pression là. Bon, je vous laisse, et puis excusez-moi hein, pour vous avoir confondu. Yann, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations sur la page internet de la ville, le site internet de la ville. La billetterie n'est pas encore ouverte, mais ça ne va pas tarder. Et le spectacle, ça commence le 28 septembre avec Corsican Floyd. Et après, plein de choses. 43 spectacles tout au long de l'année. Il y a plein de choses, plein de choses. On vous dit au revoir. On se retrouvera demain, Yann, avec toi. Hein, et on va ramer, je pense, hein, demain, c'est ça. Hein. Demain matin, on sera dans la plaine orientale, s'il fait beau, et je pense qu'on va ramer comme moi. Pas autant que moi ce soir, mais on va ramer quand même. Allez, ciao, et ne lâchez rien. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, vous en demandez encore. Alors, notre histoire, de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite valise. Elle est belle et son prénom, c'est Bonnie. Aïe, les femmes et le gang de Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était
C'était un gardoyant, on est, c'est droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde.